Déco. On a besoin de tableaux en bas et j'ai pas envie d'accrocher n'importe quoi au mur. Je veux quelque chose en rapport avec la famille. Je vais donc prendre les chinchillas en photo en y intégrant ces Chevrolet de 57 que le père adore. L'idée, c'est de réunir ces deux univers pour que tout le monde soit content et puisse se retrouver dans ces photos. Ok, on a qui là? Allez, Richie. Allez, Richie. Prêt pour ta photo? Ici, Richie. Tu l'as? Tiens, certain. C'est bon, les céréales, Richie. Oh oui, c'est bon. Je la veux pile au niveau de cette céréale. Allez, Richie, attends. Elle est rapide. Madame fait sa diva. Elle est prête? C'est bon, les céréales. Regarde. Monte dans la voiture, Richie. Ok, Harold. Regarde l'objectif, Harold. Allez, tu conduis? Oui. Place au top modèle, Pepper. Allez, je veux un peu de piquant, Pepper. Ok, faut tout nettoyer. Allez, Rupert, vérifie l'huile. Vas-y, mon grand. Je t'adore, bijou. Je vais prendre Giuseppe en photo. Il est trop drôle. Allez, qui aime les cannolis de Giuseppe? Il mange le bocal. La séance photo s'est super bien passée. On a tout ce qu'il nous faut pour décorer le sous-sol. Et toute la famille va être contente. On a de super photos des chinchillas, mais aussi des Chevrolets du père. Allez, vas-y. Viens, Eddie. Mais quel gentil toutou. Je vais peut-être essayer de glisser 2-3 photos d'Eddie dans l'eau. On verra. Vite, c'est son meilleur profil. C'est sûr. Joli. Joue la nous sexy. Ok, c'est bon. Ça part toujours en vrille, ces séances photos. Vous voyez jamais l'envers du décor, en général. Au sous-sol, Austin et Gary ont fini la cage et bossent sur la passerelle qui la reliera à l'escalier en colimaçon. On est obligé de garder l'ouverture ici. C'est pas possible. C'est clair. On a installé une passerelle pour relier la cage principale à notre escalier en colimaçon. Elle est un peu en contrebas par rapport à l'ouverture que l'on a. Il faut donc qu'on crée un plan incliné pour relier les deux. Hey, bestie. Ouais. Pour l'instant, on a un angle de 22,5 degrés. Je me dis qu'il faudrait peut-être que la pente soit plus progressive. Ouais, je crois aussi. Ouais. En vieillissant, il pourrait avoir du mal à grimper si c'est trop raide. Il nous faut un vieux pour essayer de voir ce que ça donne. Gary! Demande-moi comment je le vivrais si je devais monter en haut de ce truc. Ok. Ça ferait... C'est une inclinaison testée et approuvée par Gary. Apparemment, les gars se sont un peu moqués de Gary, mais les chinchillas sont de super grimpeurs. Austin et Bestie peuvent mettre l'inclinaison qu'ils veulent.